J'aimerais dire à une personne qu'il est possible que tu sois appelé pasteur, que tu sois appelé diacre, que tu sois appelé apôtre, que tu sois appelé prophète, mais tu n'appartiens pas à Dieu. Plusieurs personnes ont servi Dieu sans l'appartenir. La Bible déclare, au dernier temps, ils viendront, ils diront que nous t'avons servi, nous avons chassé les démons en ton nom. Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Donc... Oh, shalom. Moi, c'est votre frère, Emmanuel Derimaté, missionnaire au sein de la génération Joël. Alors, je voudrais donner un petit témoignage par rapport à mon intégration au sein de le ministère de la génération Joël. Alors, pour la petite histoire, il y a très longtemps, parce que j'ai plus de 20 ans au sein de la génération Joël. Alors, comment est-ce que je suis à la génération Joël? Et c'est par ma grande sœur, Thérèse, elle qui est déjà, elle aussi doyenne à la génération Joël. Alors à l'époque, j'étais un petit voyou et j'amenais un peu trop de désordre dans la famille, au quartier. Alors un jour, elle a juste essayé, elle m'a demandé si je pouvais aller à une veillée, parce qu'à l'époque, la génération Joël faisait chaque premier ou dernier samedi du mois une veillée de prière. Alors 2 semaines avant, elle m'a dit, est-ce que tu peux aller avec moi à la veille de prière? Bon, j'ai dit oui. Alors, elle n'était pas sûre au courant de la semaine, entre 2 semaines avant qu'on arrive au jour de la veille, elle était en train de me rappeler, d'être gentille avec moi, parce qu'elle savait que dans quelques minutes, je pouvais changer de position. Mais elle insista un peu, je dis, tu te rappelles? Je dis, oui, je suis informé, on va aller. Alors, le jour de la veille, je suis parti à la veille avec elle. Alors, il y avait beaucoup de gens dans la salle. C'était chez le pasteur John Kalala. La veille devait commencer à 22h juste. Déjà 20h30, 21h, on était là. Alors, je me sentais vraiment étranger dans ces milieux-là parce que j'étais habitué dans un milieu de personnes qui fument un peu le chanvre et qui font un peu beaucoup de désordre. Bon, quoi que je ne prenais pas la bière, mais je fumais trop de chanvre. Alors, je me sentais vraiment étranger dans ce milieu-là. Mais après, j'ai fourni un effort. La vie a commencé, la louange, je chantais, priais. Bon, quand j'ai prié, moi, je le regardais comme ça. Et puis, à un moment donné, le modérateur, c'était le pasteur John Kalala. Il a arrêté la prière et il a donné une parole en disant que le Saint-Esprit est en train de lui dire qu'il y a une seule personne ici dans la salle qui n'a jamais donné sa vie à Dieu, et c'est une occasion pour lui. Alors là où j'étais assis, je me suis dit non, effectivement, ça va être ma soeur. Elle a fait, elle a signalé à ces gens ici que je vais amener mon petit voyou là-bas, comme ça, vous allez dire que c'est le Saint-Esprit. Elle dit bon, voilà, elle dit, bon en tout cas, si c'est ça, ils vont parler fatigués. Elle dit, peut-être qu'il y a une autre personne. Et puis il a continué la prière, à un moment donné il a insisté encore. La troisième fois il a insisté, il dit je suis convaincu. Et c'est là où je sentis au fond de moi qu'il y avait comme une voix qui me disait c'est toi, c'est ton jour. Puis je mis ma main en l'air, j'étais là au fond. Et puis il m'a dit frère, viens. Les gens ont acclamé. Ah, j'ai honte d'aller là-bas devant. Et bon, j'ai fourni un effort, j'ai avancé et puis après il a dit, tu vas te mettre à genoux. Je me suis mis à genoux. Il a appelé le pasteur Serge Mansa, je me rappelle très bien. Et ils ont prié pour moi, Seigneur Jésus, la prière d'acceptation. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ce jour-là, il y a beaucoup de prophètes qui ont donné des messages sur moi. Et ce que je n'ai jamais oublié, je m'appelle Emmanuel. Le nom d'Emmanuel, c'est un nom prophétique. Il y a le berger Michel Badi, qui était en retraite une semaine avant la veille, et il n'était pas seul dans la retraite, ce qui était vérifiable. Il était accompagné de 2 sœurs, et dans cette veillée, Dieu lui avait donné une révélation que la veillée, il priait pour la veillée pendant cette retraite de 2 ou 3 jours, je crois. Et dans cette retraite, Dieu leur avait donné un message en disant que dans la veillée, il y aura une personne qui va donner sa vie à Dieu, et son nom, vous allez l'appeler Emmanuel. Alors quand je me suis converti, et c'était une confirmation pour lui, et il est passé devant, il a donné la prophétie en tout ça, et puis il a dit, ton nom c'est Emmanuel. C'est depuis ce jour-là qu'on m'appelle Emmanuel. Donc c'est un nom prophétique, c'est un nom par révélation.
Alors après, je me suis attaché aux bien-aimés qui étaient déjà là, de ma génération, d'autres étaient moins âgés que moi, d'autres plus âgés que moi. Et je me suis attaché à eux par la vie de prière. Et quelques semaines après, je suis passé par la délivrance. Et ma délivrance s'est passée dans une veille de prière. Alors, je me rappelle, celui qui m'intégrait la veille, c'était le prophète Emendoua qui a choisi l'homme. Et dès là, je suis tombé dans la veille. Il y avait beaucoup de témoins qui se sont manifestés. C'est ceux qui étaient là qui m'ont raconté ce qui s'était passé. Mais moi, je sais que j'ai été délivré ces jours-là et on a chassé les démons. Et puis après, alors, comme le Seigneur avait dit, je commençais à monter. Et après un an déjà, j'ai pu accompagner ceux qui sont allés implanter la mission, l'implantation du secteur à Katouba avec le frère Adélard. Et puis j'étais parti aussi parmi les personnes qui travaillent à Kamalondo. Et de là, Dieu m'a fait grâce. J'ai commencé à voler de mes ailes. Je suis parti pour la première mission à Kipushi pour 4 ans et demi. Kamina Goma et jusqu'à ce que je suis arrivé aussi aux États-Unis. Je bénis Dieu pour cette école Génération Joël où nous avons bénéficié de cette vie de prière. Et partout où je me retrouve aujourd'hui, je bénéficie le Seigneur pour cette discipline. Et pour nous avoir donné un père spirituel comme le révérend Louis Mandaku, et aussi entouré de mes aînés comme le pasteur John, le pasteur Raymond, maman Irène, le pasteur Serge Mansa, tous les doyens, le pasteur Patrick Kanda, tous ces doyens nous ont vraiment aidé à avancer, et on a avancé jusqu'à aujourd'hui, on tient le coup par cette formation, par leur expérience aussi, par leur témoignage, parce que quand on montait et plus on était derrière ce qu'eux faisaient, et cela nous a poussé, personnellement, ça m'a poussé à monter vite. Et je me rappelle un jour, parce qu'à l'époque, à la génération Joël, c'était vraiment pas facile de monter à la chair, c'était pas facile de modérer, il y avait quand même une stature forte de hommes de Dieu quand même fort. Et après, on venait, je sentais cette soif en moi de monter à la chair, mais c'était vraiment impossible. Et d'autres disaient, non, il vient à peine d'arriver, il n'est pas encore bien converti totalement. Mais alors, je sentais que c'était vraiment une force qui chauffait en moi, quoi. Alors, un jour, à une veille de prière, et comme souvent le modérateur venait avec un petit retard de 3-4 minutes, et moi, je venais avant, juste avant que le modérateur ne commence, les gens étaient assis au salon en train d'attendre la veille. Et moi, je pouvais directement entonner un cantique, et puis, il dit, nous allons prier. Il dit, mais c'est qui commence à maudire la bâtiment? C'est le petit frère de ta Thérèse, Emmanuel. Ah, mais c'est frère courageux. Et c'est comme ça que je commençais à m'intégrer et c'était parti. Je me rappelle aussi, on avait un département, on appelait ça département force physique. Il y a moi et le frère Didier Isaras, père son âme, on avait créé notre département à nous. Département force physique, c'est nous qui arrangeait les chaises. Et aussi qui restait torchonné après la veille. Et c'était aussi une manière de s'intégrer. Et puis après, le Seigneur nous a amenés là, nous a amenés. Et puis, on continue à craindre et à respecter le principe et le conseil sage qu'on a reçu de la part de nos aînés. Et on continue à garder cette même discipline jusqu'à aujourd'hui. Et je n'oublierai jamais de dire merci à ma grande sœur qui m'avait amené à la Génération Joël, bien que poussée par l'Esprit des dieux. Mais je resterai toujours reconnaissant envers elle. Et aussi au pasteur Nico Cabeille. C'est ce bien-aimé qui m'avait remis la Bible pour la première fois. Parce que quand je venais au ministère au début, je n'avais même pas de Bible. J'avais un petit Nouveau Testament bleu comme ça. Et celui qui m'avait remis la Bible. Et je remercie aussi tous ces serviteurs qui m'ont aidé par de prières marathon. Je n'oublierai jamais le prophète Kim, et puis à son âme, et toute cette ceinture de serviteurs, le pasteur Songo, le pasteur Didier Chipama, le prophète Emendoua, bien sûr ceux qui étaient à Lubumbashi, hein, ils sont vraiment nombreux. C'est les sœurs, il y avait la sœur Mamida, la sœur Bora, la sœur Natacha, la sœur Bénédicte, il y a toute une chaîne. Alors, je serai toujours reconnaissant envers toutes ces personnes parce que ces personnes m'ont boosté à monter vite dans le Seigneur. Aujourd'hui, je suis apôtre et je leur dis merci. Et d'une manière particulière, mon père spirituel, le révérend Mandaku, pour cette confiance et aussi cette exposition parce que c'est lui qui m'a exposé
Après tout, je me dis qu'est-ce qu'il voyait en moi et il m'a fait confiance. Mais aujourd'hui, je suis très reconnaissant. Donc, c'est un peu mon petit parcours à la génération Joël. Dieu vous bénisse. On dit qu'il était habillé, c'est qu'il était revêtu de la gloire de Dieu. À chaque fois lorsqu'on est en Christ, on est couvert de sa gloire. La Bible déclare, revêtez-vous du Seigneur Jésus. Lorsque Jésus se présente sur toi, il est comme une couverture, il est comme un manteau. Il couvre de faiblesse, il couvre de défauts et il te couvre. Les gens ne peuvent plus remarquer ces choses parce que la gloire de Jésus te couvre. J'aimerais vous